Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne, une démo encore une fois. Le jeu ce sera The Adventurers, jeu développé et édité par Eternal Vigilance Entertainment qui doit sortir le 11 novembre 2024. C'est un turn-based tactical RPG, vous allez voir, avec des graphismes assez qui font assez anciens, mais bon. On va voir ce que ça donne. Ne nous arrêtons pas au graphisme, arrêtons-nous au gameplay. La musique est sympathique, en tout cas. New game. Alors, game origin. Trois petits aventuriers. Ok. The Brothers. Deux anciens soldats décident. Ok. Et un lone wolf. On va faire celle-là, à mon avis. Medium, à mon avis. Gameplay option, event narrator, et apparemment il y a un narrateur qui pourra parler, c'est en anglais, et il n'y a pas de français de prévu. Allez, next. Alors, skin, ok. Air. Ok, air color, ah bah voilà. Facial air, ah bah voilà, Jackie. Okay. Défaut. Ah oui, donc ça c'est son... son machin. Il y a plein de previously, comment on pourrait mettre le truc précédent, on va l'appeler Michel. Voilà, il y a Michel, donc lui c'est un archer. Alors, évidemment l'archer est un asiatique. Voilà. Ah, le voleur avec cette tête là, voilà, mais oui, mais tout va bien. Voilà, on va le mettre comme ça, et lui, voilà, comme ça. Puis lui, ce sera un acrobate, lui c'est un booty hunter, très bien. Puis lui, ce sera un fermier. Et pas... gardien des forêts, voilà, un blacksmith, un forgeron. Donc lui, ce sera... Maurice, et lui ce sera il a une tête de Kylian Mbappé, donc ce sera Kylian. Voilà. Elle. Ça loading, ça veut dire chargement. As the sun rises, a new fledgling adventuring party has been created. With eager hearts and starry-eyed anticipation, the bonds begin to form on what may come. The warrior envisioning noble quests filled with valor and the chance to defend the weak, drawing inspiration from tales of chivalry and the pursuit of justice. The second, a quick-witted and agile rogue, dreaming of finding unknown treasures, new locations to explore, and epic tales to tell. Lastly, a resourceful archer, ready to take down any threats from afar, eager to support and save the group where needed. Together, this diverse trio stands ready to embrace the unknown, their collective dreams intertwining as they embark on a journey of discovery, forging unbreakable bonds and weaving a tale that will become the stuff of legends. Okay. Il parle pas fort, le... Time to get started. Alors... on est où? Ok. Alors peut-être que ça vous fera penser à quelque chose d'autre. Alors on voit nos petits bonhommes là qui marchent. Donc on a Michel. Ok. Ah, on a un temps défini. Ok. Il est 11h du matin. On walking. On a des outils apparemment. On a de la bouffe, de l'argent. Ah, ok. Là c'est pour changer. Manage. Ah, ça, ce sera quand on va dormir. Ah, ça, c'est nos possessions, d'accord. Ça, c'est nos quêtes. Nos abilities. Ah, quand on va level up, on va pouvoir choisir des habilités. Très bien. Ah, oui, d'accord, il y a des habilités générales et des habilités de classe. Très bien. Donc, relationship, on n'a pas. Faction, on n'a pas.
et les options. Très bien. Allons y. Ah, on voit ici notre endurance. Excited! Alors, on a des alchimistes, ok, donc ça c'est les vendeurs. Des blacksmiths, ok. Des biens généraux. Ah, on pourra échanger des choses. Et d'accord, donc ça c'est le prix, d'accord. Merde. J'ai rien dépensé normalement. La taverne, buy around, rent around. Donc ça c'est payer un coup. Pour ok, dormir, ok. Et je peux pas acheter de mercenaires ici. Ah, des contrats. 5 jobs accepted. Deposit 25, reward 100. Ok, gamblin. Ouais. Allons taper des gobelins. Voilà. Alors, est-ce qu'on sait. Oh, c'est... Ah, si, c'est là-bas. Goblin Cave. Courez, les gars. On va dormir juste avant. Dormir, manage. Ah non, non, non. Attends, attends, attends. As you traverse the rugged landscape, a sense of deciding it is. Ok. Manage. Alors toi tu vas hunt, toi tu vas cook, et toi tu vas monter la garde. Ah. Très bien. As your party cautiously steps through the mouth of the cave, the transition is sudden and jarring. The scent of damp earth and the distant sound of dripping water greet your senses. The narrow tunnel you find yourself in is roughly hewn from the rock, its walls adorned with primitive drawings and markings. The air is humid and heavy with the scent of decay, dampness, and something else. Something not quite identifiable. The cave seems alive with faint echoes, as if it's whispering secrets of its own. Suddenly, just as the last of you enters the cave, the sound of scuffling feet reaches your ears. A guttural, high-pitched laughter follows, growing louder and echoing off the walls. From the shadows ahead, a horde of goblins appears, their wicked grins illuminated by the eerie light of the torch. Ok. Attaque! Tu sais jouer? Non. Mais c'est du turn-based. Ah, donc après ça va être à nous. Ok. On reconnaît hein, ce type de... Pourquoi j'ai des points d'exclamation? Je ne sais pas. Flash. Double stab. Convert an action into additional movement, ok. Oh! Ok, quand on a des actions bonus, ok. Et ça, reduce all incoming physical damage par 50, ok. C'est quoi ça? Small potion, bonus action, très bien. Ma distance de mouvement 3, 4, 5, 6, ouais. Donc ça c'est la distance de mouvement, ça c'est le nombre d'attaques, ça je ne sais pas ce que c'est. Vas-y Kylian Mbappé. Ah non, va juste là. C'est bien. Maintenant, slash l'ennemi. Ah, on voit que ça va me prendre un peu de... Et si je fais un double stab? Ah, ça prend beaucoup plus par contre. Hit 94%, critical 6%. Ok, vas-y!
Oh, tu lui as fait 14. Bravo, Kylian. C'est à qui? À Maurice. Okay. Et on peut attaquer et se déplacer après. Très bien. C'est bien, Maurice. Vas-y, toi tu viens là et tu vas les empêcher d'avancer. Tu peux faire quoi? Taper avec ta hache. Ah d'accord, là je touche 3 mecs. Bah ah non! Ils m'ont tapé! Aïe! Ouais. Le voleur. Non, non, non. Ah. Le voleur. Le voleur qui prépare ses attaques dans le dos. Ah. Alors, est-ce qu'il y a une chance de toucher ses potes? Vérifions ça tout de suite. Don't worry. Be happy. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Vas-y, Jackie. Aïe. Aïe. Ouille. Aïe. Mais saloperie. T'es tout seul, petit gobelin. Tu peux. Alors. Ça, ça doit être le enemy killed, ok. Damage done, ok. Expérience, ok. Dommage taken. Très bien. Oui. Là-dessus qu'on doit aller. Ah, combat de stats, les loot. Prenons tout. Et exit combat. Et donc on peut aller rendre notre Kate. C'est quoi ça? C'est des marchands ça ou... On peut leur parler? Non. On voit ici qu'on a une quête à rendre. Je pourrais attaquer la garde. Attention qu'ils sont 16. Hein. Ils n'ont pas de loot. Ok. On va faire Daudau parce que lui il est blessé. Ok. Gobelin cave. Accept reward. Réputation, l'XP et l'argent. Ok. Taverne. Rent room. 10 de morale. Stay until morning, stay for 8 heures. On va stay... Ouais, on va faire ça. Et lui, il est fort blessé. Ah non, si, attends. Non, pas de mercenaire. Blacksmith. Bill of Rocks. A touch of elegance and a... Ah, donc tout ça, c'est à vendre. Allez, vendez-moi tout ça. On a 436 balles. On peut rien acheter. Si, on peut acheter des gants. C'est de la merde. Non, attendez. Est-ce qu'on n'aurait pas... Euh...
Help, Strongdeed Eld, Fallen Orcs, Gnoll. Il y a beaucoup de choses. Comment on bouge la caméra? Ok. Ah oui, c'est loin. Et là, il y a notre ville. Il y a quoi là? Prospérité. Bah, allons dans cette ville. Allez, nous on court. On n'a pas peur, nous. Two distressed men approach you with urgency etched on their faces. They recount a grim tale of goblin marauders who attacked their group, leaving their friends slaughtered and their possessions plundered. The survivors plead for your assistance, beseeching you to hunt down the goblin raiders and rescue any captives who may still be alive. The men's voices tremble as they describe the goblins' brutal tactics and the havoc they wreaked upon their companions. They implore you to undertake a rescue mission, guiding you to the likely location of the goblin encampment. On va search. As you arrive, a grim scene unfolds. The entrance to the goblin cave is marked by signs of recent violence, with discarded equipment, bloodstains, and the ominous stench of death permeating the air. A haunting silence settles over the desolate landscape. Upon entering the cave, the harsh reality becomes painfully clear, as there are no survivors. The goblin raiders have left no trace of mercy, and the lifeless bodies of the unfortunate victims lie strewn across the cave floor. The echoes of their final moments linger, a stark reminder of the ruthlessness of the goblin horde. The goblins, alerted to your presence, emerge from the shadows, their malicious eyes gleaming with a twisted sense of victory. The cave, once a place of hidden danger, now becomes the battleground for a fierce confrontation. Ok, et bah à l'attaque. C'est bien que tout soit lu par un... Bon après c'est de l'anglais donc... Bon en tout cas on était là pour chercher des trucs dans un... Ils étaient moins nombreux sur l'image. Ah bon. Ah oui, et comme on n'avait pas... Ah ok. Backspace. Oui. Par contre, les musiques, elles sont épiques. Et on peut pas savoir qui joue. Ok. On voit les casques qui brillent hein, pour celle qui va traverser. Par contre, on sait pas combien ça va faire de dégâts. Voyons voir. Ok, on l'a one shot. Très bien. Et le guerrier va venir là, il va faire un swing. Derrière, il y a l'archer qui peut venir ici et en tuer un. Une seule cible. Ils ont tous 6 PV. Bon, lui 9. Lui 9 et lui 6. Vas-y. Ok. On va tester un truc après. On va tester les attaques d'opportunité. Hein. Évidemment, est-ce qu'il y en a? Je pense que s'il y a un point d'exclamation, ça veut dire oui. Ouh là là, le guerrier va tomber!
Là, c'est un beau swing là qu'il va faire. Ouais, bah voilà, il y a des attaques d'opportunité, très bien. Voilà, comme ça notre archer pourra se déplacer. Ok, il a miss. Merde, j'ai pris une potion. Je voulais pas prendre de potion. Je dois pas en avoir 50 000 de potions. On en a qu'une. Et je l'ai bu sans le faire exprès sur un mec qui est... Bon, c'est pas grave. Ok. Et ce bouton là. Et exit combat. Très bien. Ah, ça c'est des bons jeux ça. Que je reclique, on n'a pas de continue the chemin. Des nuages ou c'est des marchands ça? C'est des marchands. Hein. Alors la map elle a l'air... Ah oui, elle a l'air fatouille. Aller dans la neige apparemment. Oui, parce qu'il y a des tours de magiciens. Ah ouais, c'est grand la map. Okay. With their energy spent, the adventurers are forced to stop in their tracks. Their bodies unwilling to take another step. Long rest. Maurice, très bien. Maurice, encore une fois. Non, là où il y a de la prospérité. On dirait des marchands. Hein. Des caravanes. Hein. On ne peut pas les attaquer. You come across a trio of herbalists diligently scouring the area for valuable herbs and plants. They are hunched over, carefully examining the foliage and soil, each carrying a basket filled with various botanical specimens. As you approach, one of the herbalists looks up and you can see a mix of exhaustion and determination in their eyes. The lead herbalist, a middle-aged man with a knowledgeable air, addresses you. Greetings, fellow travelers. We seek rare herbs in these lands, but the task proves more challenging than anticipated. Would you be willing to aid us in our search? In return, we can share our knowledge of the local flora or provide you with some of our herbal remedies. He proposes, his voice carrying the soothing tone of one well-versed in the healing arts. Très bien. Bon, search. As you lend a hand to the diligent herbalist in the search for valuable herbs, your combined efforts yield success. Together, you uncover a variety of rare and potent plants, enriching the herbalist's collection. The lead herbalist, with a knowing smile, expresses his gratitude. Ah, you've been a great help indeed. These herbs will be invaluable for our remedies. As a token of our appreciation, please accept these potions. They're crafted from the very herbs you helped us find. He says, presenting a set of small vials filled with vibrant, mystical liquids. Très bien. Allez où la souris? Là. Nice! Bah, le jeu a l'air très très bien. Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas regardé. On va run, on va walk. Et... Ok, là on est en pause dans les villes, c'est ça qui est bien, ça nous rappelle quelque chose. Ah, mais par contre on peut pas regarder nos stats, ok. Ah, chez l'alchimiste. Le ton prix modifié en moins 6%. Ah. Mmh.
attendez. Voilà, les stats. Où est-ce qu'on voit quand est-ce qu'on va monter de level? Next level to 48, ok. On va dismiss les gens, très bien. Ok, et les quêtes. Ça non, c'est ça. Gnoll. Et or quoi, ouais, donc j'ai pas de... Je peux vendre mes biens. On a de l'argent. On peut créer des choses. Ah, je peux lui demander de créer des healing potions. Ah non, j'ai pas... D'accord. Peut-être à l'alchimiste alors. Non. Alors, on a un peu d'argent. Ah oui, par contre, on achète très cher et on vend très peu cher. C'est quoi ça, c'est des... Ça, c'est des chaussures. Voilà. Taverne. Ah, par contre, il faut... D'accord, il faut appuyer beaucoup de fois ou attendre qu'il en crée. Très bien. Archerie, acrobate... On sait pas ce qu'ils font, c'est ça? Ah si, Sif, Archer, Sif, Archer. Ok, plus beaucoup de sous. Alors, Et j'ai pas vu, on a déjà du stuff en fait. 16, 20. 10, 15. Ah bah l'épée est mieux. Je prends cette épée. Voilà. Et on peut équiper... Ah, on peut équiper une hache à un archer. Ok. Pourquoi pas? Ok. Bon, on va aller là. Ah, on doit faire le tour comme ça, bah autant aller là avant alors. Et en running. The party's strength falters, leaving them unable to continue their travels. Their weary bodies pleading for rest. Raconte des histoires, toi. J'ai toujours pas acheté de nourriture par contre. Après ça va, on en a beaucoup encore. Allez, l'autre on le paye lui. You spot a group of well-armed guards patrolling the outskirts of a settlement. Their armor gleams in the fading light, and the occasional glint of a polished blade reflects their vigilant stance. As you approach, the guards acknowledge your presence with a nod, their eyes scanning the horizon for potential threats. Their patrol seems purposeful. A vigilant watch over the safety of the surrounding settlements and trade routes. The air is tense with the possibility of danger, but the guards carry themselves with a determined resolve, ready to aid those in need. Ok. On va les avoid, hein. Ils nous ont dit qu'ils étaient bien équipés. On n'est pas fous. You stumble upon a peculiar sight. A stack of coffins neatly arranged as if waiting for some grim purpose. The atmosphere grows tense as you approach the eerie discovery. On va chercher dedans, ça pue.
carefully opening the lids of the coffins one by one. To your surprise, the coffins contain not hidden treasures or malevolent creatures, but rather preserved corpses. The discovery speaks of a forgotten history or a long-lost battle that occurred in this desolate place. The preserved remains suggest a sense of reverence or an attempt to honor the fallen, even in death. Mais oui, mais ça, c'est... Voilà, on va leur prendre ça. Ça, je croyais qu'il allait avoir des morts-vivants ou je sais pas quoi. Hein. Allez. Par contre, on a vu que quand on commençait un combat, on le commençait avec les PV qu'on avait. The distant echoes of goblin chattering and the rustling of underbrush signal. On va les attaquer, mais on va pas avoir beaucoup d'énergie. C'est ça, ouais. Dont un qui a pas du tout d'énergie, lui. Maurice, il va servir à rien. On va les attendre, hein. Ah si, il a un peu d'énergie. Tous les tours, je crois qu'on en gagne, peut-être. Musique de fou. Ouais ouais, on en gagne. Pour le moment, vous allez attendre. Ok. Ah! Isalo. Ok. Je peux exit le combat. Merci. Spent, the adventurers are forced to stop in their tracks, their bodies unwilling to take another step. Donc, on récupère de l'XP pendant les combats. Ça, c'est vachement bien. Donc, t'es pas obligé de commencer les combats avec ta full énergie. The fort's weathered wooden walls, once a symbol of... Allez, on attaque. Ok, je comprends un peu la mécanique, j'aimerais bien voir un level up. Ok. Il a de la vie un orc, non? Avec 62 vies. C'est pas un gobelin. Le saviez-vous?
m'a fait 1 million de dégâts. Ok, le voleur. Tu peux lui mettre 2 coups. Ok, il est mid-life. Barre-toi. Ah ! Flèche ! Ah ! Un milliard de dégâts. Merde. Ah ! Désolé, Maurice. Michel ! Michel le guerrier ! Michel ! Michel est invincible ! Aïe. Vas-y, mon petit Kylian. Bien. Non ! Perdu un guerrier, un brave guerrier. Tu veux lui ? Non, Kylian Mbappé, tu ne peux pas mourir. Ok. Tue-le ! Quel talent. Donc lui, il est mort-mort ? Michel ? Ou pas ? Est-ce que Michel est mort ? Michel est mort ! Les level up. Ok, donc on peut augmenter ça. Ok, donc là. Où est-ce qu'on voit les stats? Je vois pas ces stats. Ah, on peut en choisir 2, d'accord. Ah oui, d'accord, parce qu'elles sont là. D'accord, c'était caché. Et lui, agility, vitalité aussi. On lui donnera plus de PV. Et voilà. Et donc là, on peut choisir. J'en choisis combien? 1, 2, 3. Une seule, apparemment. Ok. Plus de critical hit. Ok. Plus de chance. Increase dommage. Ah, ça c'est bien ça. Reduce l'énergie pénalité quand t'as une armure. Increase l'expérience gain. Ah, ça c'est bien ça. Ça. Ah, mais j'en ai une de chaque. Bah, l'expérience, toujours. For each ally, donc pour tous les alliés autour de lui, il augmente ses chances de critical hit. Ah, ça c'est bien ça. C'est vraiment un mec qui va venir en backup. Alors c'est autour de lui ou autour des ennemis? Pour chaque ennemi autour d'une cible. Pardon. T'envoies du sable dans l'ennemi de tes yeux. Ah, pour réduire leurs chances de 50. Ah ouais, quand même. Du poison, évidemment. Ok, et apparemment on peut monter jusqu'au level 1. Vous voyez que ça clignotait quand on était prêt à monter de level. Ça doit être un fort de gobelins, ça. The distant echoes of goblin chattering. Oui, on va attaquer les gobelins.
Ok. J'avais pas vu, on voit la jauge de PV sur le visage. Ça fait chier en fait. Voilà. Un de moins. On va tuer le deuxième. C'est quoi ça? Le petit soleil. 30% d'énergie recovered, très bien. Merde. Ah! Toi tu viens là. Ok. Ok, on va diminuer les PV que tu vas prendre. Ok, nice. Ah oui, d'accord, c'est première ok. On va le faire en première action. Ok. Ok, ok. Oh, ils ont beaucoup d'argent. Hein. Ok. Bon, je vois un peu comment le jeu fonctionne. Ça ressemble énormément à un Battle Brother. Par contre, il y a l'air d'avoir de plus grandes chances de toucher que dans Battle Brother. Alors, je vais juste faire un short rest. Voilà. Parce que la ville était pas loin. As you traverse the rugged landscape, on flie. Taverne. Hero room. Stay until morning. Ah bah non. Sinon on va rester deux jours en fait. Au final. Et sinon il va me faire arrêter à midi, puis reprendre jusqu'à 7h du matin. Donc c'est mort. Play around. Ça marche pas tout le temps, ça. Blacksmith. Mais on n'a pas récupéré d'ailleurs les affaires de notre décédé. Au moins, on mourra les poches pleines. Parce que là, pour ainsi dire, on a de la thune. General Goods. Alors, on va reprendre quelques. Voilà. Et après, on doit remonter tout au nord. Pour rendre notre caïd. Enfin, nos caïds. En lone wolf, ça doit être vachement dur, mais comme un Battle Brother, quoi. Ouais, on attaque. Mais c'est bien que ce soit que tout soit lu, si on comprend bien l'anglais et tout. Ah, ils sont nombreux. C'est moins fort que des orques, by the way. Mais ça attaque vite. Ok. C'est aussi moins solide, j'ai l'impression. Vas-y, mon petit Kylian. Il reste combien de PV à lui? Ouais, tu le tues avec un critique. Faut pas compter sur Kylian Mbappé. Hein. Ah. Par contre, on voit ceux qui vont avoir des attaques d'opportunité avec les petits. On voit ceux qui sont corps à corps. Ça c'est cool.
que tu avais prévu de mourir, Kylian? C'est ça la question. Quoi? Oh, le miss. On va se laisser avoir comme ça, nous. Hein. Ah. Quoi? Est-ce qu'on peut tirer au corps à corps? Apparemment, oui. Et on ne prend pas d'attaque d'opportunité. Ah, ouais, mais si vous missez, les gars, aussi. Les gars le font exprès. Parce que... J'ai pris 31 en essayant de fuir. Ah oui, parce qu'ils peuvent faire des dégâts. Donc en gros, il m'avait fait un critique. Ok, voilà pour The Adventurers, un jeu à la Battle Brothers. Ça va faire plaisir à certains, plus dans un monde un petit peu plus fantastique. Je suppose qu'il y aura des magiciens, etc., etc. Ça me paraît être très très bien. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.